Un proverbe dit l'autre bien dit mon frère, un proverbe dit l'autre bien dit que si Jésus-Christ était vraiment Dieu, il ne serait pas né d'un père et d'une mère. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu, il ne serait pas né d'un père et d'une mère. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu, il ne serait pas né d'un père et d'une mère. Un proverbe dit l'autre bien dit mon frère, un proverbe dit l'autre bien dit que si Jésus-Christ était vraiment Dieu. Il n'a pas né de père et d'une mère. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu, il n'a pas né de père et d'une mère. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu, il n'a pas né de père et d'une mère. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu, il ne serait pas né de père et d'une mère. Si Jésus-Christ était vraiment Dieu, il ne serait pas né de père et d'une mère. Un proverbe philanthropien dit que si Jésus-Christ était vraiment Dieu, eh bien, tu ne l'aurais jamais vu dans tes rêves. Étant donné que Dieu est tout-puissant, tu ne pourras jamais le voir. En tant qu'être vivant, c'est impossible, tu ne pourras jamais le voir. Donc si tu vois Jésus dans tes rêves, ça veut dire que Jésus, ce n'est pas Dieu. Parce que si Jésus était Dieu, eh bien, tu ne l'aurais jamais vu. Merci et bien des choses à vous. Si mon frère, un proverbe philanthrope bien dit que le meilleur ami de l'être, c'est son propre corps. Le meilleur ami de l'être, c'est son propre corps. Le meilleur ami de l'être, c'est son propre corps. Le meilleur ami. Ah, je vous souhaite à vous la bonté, beaucoup de bonnes choses, que vous soyez toujours bénis. Le meilleur ami de l'être, c'est son propre corps. Le meilleur ami de l'être, c'est son propre corps. Le meilleur ami de l'être, c'est son propre corps. Un proverbe philanthrope.